Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 9 de Mafia 3. Et j'étais mort comme une grosse merde, donc on va devoir recommencer la mission, mais j'essaie de la jouer un peu plus discrète. Donc je parlais à elle. J'ai plus besoin de lui parler. Donc tout est fermé, faut que je passe par derrière. On peut passer par là, tiens, pour changer. Hop. Faudrait qu'ils se séparent. Ouais. De toute façon, là, je suis en zone normale, je peux y aller ici. Non, non, non! Vraiment qu'on joue à cache-cache. Recherche? Pourquoi tu me recherches? Agressif. Mais non, mais c'est bon, je pars. Excusez-moi. C'est bien ce que je pensais. Où j'en étais déjà? Je pars, je pars. Tu croyais pas que j'allais te lâcher comme ça quand même. Je pars, les gars, c'est bon, tranquille. Voilà, je suis parti. T'aurais pas dû venir ici. Putain, ils sont vraiment vénères, les mecs, hein. Peut-être qu'il est là-bas. Qu'est-ce que tu fiches avec cette arme? Ils sont vraiment vénères. Ok. Bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est? Lire la note. Note, le seul moyen de sortir de là, c'est de rester groupé. Accrochez-vous, on sera bientôt à la maison. Ok. Bah, les filles... Les filles, partez. Parce que ça a déjà commencé à chier, mais ça va continuer. Ah, l'argent que j'avais récolté, par contre, il reste, il respawn pas. En même temps, ce serait abusé, vu que tu perds la moitié sur commencer à l'infini, bah t'as de l'argent à l'infini. J'oubliais que toi aussi t'as grandi dans le coin. Ça fait 4 générations que ma famille habite là. Et je plaisante pas, le resto où Mickey est allé, c'est le top. Leur gombo vaut celui de ma mère. Je parais que c'était une putain de cuisinière, hein. Ça ouais, son gombo, son jambalaya, ses haricots rouges au riz. La mienne, elle a jamais été foutue de cuisiner. C'est sûrement pour ça que t'as que la peau sur les os. Faut me faire lui, là. Ah, ils se sont séparés, très bien. What? Ah, j'ai déjà appuyé au bon moment sans le vouloir. Vous savez, pour faire l'exécution dont il me parlait juste avant. Enfin, dans l'épisode précédent, pour vous. Moi, je tente ça juste après, c'est pour ça. Bah, ça se passe quand même mieux. Hein. Oups. Non, c'est bon. Ça doit être le coin VIP, je pense. Là, je peux rentrer? Ah non. Bon, là, il y a personne. Aussi, il y avait un peu de monde. Eux, ils ont rien vu, c'est ce qui compte. On va aller voir les filles. Mais d'abord, je vais récupérer tout ce qu'il faut. Hop, 250. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y en a là. On récupère du soin. M'apprends. Ah, c'est bon, il l'a pris. Ok, ça c'est pour aller où? Ok, un bar qui n'est pas... On va tout vider, hein. On va tout vider.
t'es déjà fait tripoter par un millionnaire, chérie. Eh hey mec, du calme. Faut vraiment que tu la joues moins bourrin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce fils de pute fait comme si c'était moi qui l'avais rendu accro à l'héros. Les oreilles me jouent des tours. Sûrement, oui. C'est sûrement tes oreilles. Putain de merde, putain. Dégagez vite! Putain, c'était violent ça. Ok, une petite image. J'en suis à 3 sur 4 dans ce quartier. Il y en a pas tellement. Hein. Ouais. Attends, on va voir un peu. Ah, c'est de la cam ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est de la cam. Je connais pas les armes dans le jeu pour l'instant, je sais pas si c'est laquelle est la mieux. Le mien, vu que c'est un Colt, enfin un revolver, il doit faire énormément de dégâts. Ah, j'avais pas vu. Bah, y'a. C'est un pompe ça, hein. Ouais, non. Pas fan. On va prendre ça. Et on va libérer les filles. Quoi? Quoi? Qui me voit? Personne me voit. Arrête un peu. Allez les filles. Alors, adieu. Oh! Venez ici tout de suite. Et l'autre elle réagit pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Lire la note. Dites à Charlie que la semaine a été excellente. Ronnie a vendu pour 5 000 $ de cam. Et Jen, enfin Jean, je sais pas comment ça se prononce, a ramené pas loin de 7 000. Avec ça, Richie devrait nous foutre la paix. Tu devrais tous les tuer. Tous. C'est ce que j'ai fait, t'inquiète, il n'en reste plus. Sors de là, tout de suite. Allez. Donc là, il va y en avoir un encore. Facilement. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. T'inquiète pas. C'est normal. Que tu sois une pute, c'est une chose, mais que tu te fasses exploiter comme ça, c'en est une autre. Mon Dieu, ils allaient. En sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé. Elle t'aidera. Je l'ai pas trop regardé parce que je crois qu'elle avait pas de haut. Hop. Note, je vais pas me laisser bouffer par cet endroit. Chaque chose en son temps, mais je reverrai ma famille, ça ne fait aucun doute. Donc je dois faire encore pour 4 000 de dégâts. Ah, mais il y a encore une fille de prisonnière, il me semble. Hein. Non? Parler à Donovan, dommage restant. Ouais, donc. Wow, désolé madame, j'avais pas vu. Si je casse des choses, est-ce que ça fait des dommages? Je me demande. Non, je pense que je peux rien casser. Mais il faut que je fasse encore 4 000, comment je fais? Non. Ok, par là peut-être. Non. Je peux pas les ouvrir ces portes-là. Oh. Donc réfléchis, Jean-Louis. Réfléchis. Par où es-tu arrivé? Par là, je peux pas sortir. Si? Ouais, mais j'ai tout fait dans la zone. Attends, comment on faisait? Comme ça. Ah, il y a de la thune là encore. Il me semble.
Ou alors c'est les notes. Non, ça doit être les notes. Attends. Ouais. Ouais, non, bah écoute. Hein. Tant pis, au moins j'ai libéré les putes, c'était l'objectif principal. Parce que je pourrais défoncer du civil et défoncer des putes, je pense ça. Désolé. Je pense ça ferait du dégât, mais. J'ai pas envie, tu vois. Elles m'ont rien fait. Moi, je croyais que c'était ma voiture, mais non. C'est la même que tout à l'heure, même couleur. Allez, on a plus que 200 mètres à faire. Ah, je l'ai pas touché, hein. Je l'ai pas touché. Allez, remets la cam. Mais du coup, j'ai toujours un pare-balles sur moi, tout neuf. On va se garer propre. Ouais, propre. Hein? Vite fait. Fail. J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Mmh. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Alors. Nouvel élément acquis, radio portable. Je peux pas activer ici. Cette Cassandra t'a retourné le cerveau, hein. Putain de taré, tous autant qu'ils sont. Pourquoi tu dis ça? Je sais que t'en fais une affaire personnelle, mais si tu veux descendre sale et son sac à merde de fils, tu vas avoir besoin de ta tête. Bordel de merde, c'est quoi un cheaterling? J'ai rien compris. On parle chinois, là. Alors, par où on sort de cet appart, là? Non, pas vraiment. Course de chevaux. Donc j'ai toujours mes dommages à faire. Hein. Appeler des associés. Vous pouvez maintenant appeler des associés grâce à la radio fournie par Donovan. Vous n'avez plus à attendre que le trafiquant d'armes se pointe. Vous pouvez l'appeler pour vous faire livrer les armes et l'équipement qu'il vous faut. Ah, cool. Appeler un associé. Maintenir LB puis sélectionner l'associé avec R. Enfin avec... ok, donc maintenir LB. Associé. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Wow. Attention. Quelque chose qui t'intéresse ? Attention, bonhomme. Fais-moi voir ce que t'as. Bon, c'était juste pour checker un peu. Je peux améliorer mon Lincoln ? Non. Le deal est terminé. Tu sais comment me trouver. Bon, c'était le tuto. T'es conduit comme un fou, lui. Pire que moi. Ah, elle se traîne vraiment, cette voiture. Ah, faut que je parle à mon... Désolé. Ah, mais non, je me trompe tout le temps pour le frein à main. Reviens! Reviens! Voilà. Faut que je parle à mon pote qui a la radio amateur. Hey there, New Bordeaux! It's your Uncle Luke. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Ward for good eats and good times. Et ça se dégage. Salut! Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord.
Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Ok, ça me dérange pas de tuer des Macs. Avec plaisir. Tableau d'objectifs. Vous avez maintenant de nombreux objectifs disponibles. Sélectionnez les objectifs sur la carte ou depuis le panneau d'objectifs. Voir la carte avec le pause. Voir le panneau d'objectifs. Croix. Comment ça? Attends, il doit être à l'intérieur le panneau d'objectifs. Ou alors je mets pause et ensuite croix. Ah oui. Activer l'objectif. Alright. Ah, ça c'est quoi? Tuer les Macs. Tuons les Macs. Objectif. Non, c'est bon, c'est activé. Ce qui est dommage, c'est que ouais, on voit. C'est pas très clair quand t'actives un objectif, on sait pas trop s'il est activé ou non. Enfin. Après, quand tu t'enlèves dans la carte. Bon, je vais lui prendre sa caisse, hein. On va voir ce qu'elle vaut. Ouh, l'air d'être pas mal. Effectivement, pour l'époque, c'est pas mal. Putain, il pleure. Putain, c'est bizarre. J'avais pas vu, moi. Ils étaient pas marqués sur la carte, tous ces mecs. Oh. Mon dieu. Attends, mon objectif était à l'intérieur, mais non. Je vais vraiment tuer tous ces bâtards. Lel, tu veux t'entraîner? Vas-y, viens. Ah bah non. Pleure pas. T'en as plus pour longtemps à pleurer comme ça. Où tu crois? Mais je suis en train de vous sauver. En même temps, il voit un Renault de 2 mètres là. Et de 130 kilos. Qui fait ça. Je fais ça en pleine rue. C'est pas très réaliste, mais bon. Sortez de là! En plus, ils appellent pas les flics, hein. Enfin, c'est fait exprès. Ah si. T'appelles pas la police. Lel. La pauvre dame. Alors attends, comment on faisait déjà comme ça? Pleure pas. C'est bientôt fini. Putain. Il y a du grabuge qui se prépare. Faut pas qu'il se ramène lui par contre. Il faut qu'on s'en aille. On doit partir d'ici. Ouais, partez. Bah de toute façon vous deviez partir depuis longtemps, hein, vu comment on vous traite ici. Je peux pas prendre là? Ouais si. Pardon. C'est pas grave. Alors, il y a marqué quoi? En représentation, un soir uniquement, la reine de la jungle, Miss Dorothy. Cette beauté sauvage n'a rien de commun avec ce que vous avez pu voir auparavant. Savourez sa peau d'ébène, admirez sa poitrine généreuse. Présente un soir uniquement chez Doucet. Le pire, c'est qu'aux US, il y a encore ça, là, les bottes de striptease comme ça. Salut.
C'est quoi? Amène-toi, sac à merde. Faut qu'on s'en aille. On doit partir d'ici. Ok, c'est fait. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une petite option pour pouvoir les rassurer, tu vois, elle. Plus rien à gagner. Quand vous aurez fait suffisamment de dégâts pour réduire les gains de trafic d'un trafic à zéro, vous pourrez retourner voir votre contact pour en savoir plus sur le boss de trafic ou continuer à rechercher d'autres cibles. Vous avez complètement ravagé le réseau de prostitution de Merle et fait tomber ce dernier avec. Allez voir la voix de Del Rey qui a trouvé des infos. Non, qui a des infos pour vous aider à trouver Merle et à prendre le contrôle de ses trafics. Et moi j'aimerais bien le défoncer celui-là aussi. En fait. J'ai pas envie de laisser un fils de pute en vie. Parce que même si on peut me considérer comme un fils de pute, le fait que je tue plein de fils de pute et qu'il reste que moi comme fils de pute, et ben. Ça baisse le nombre de fils de pute sur la terre, malgré tout. Parce que vous savez, il y a une phrase qui dit « Si on tue un tueur, et ben en fait, le nombre de tueurs n'a pas changé. » Mais sauf que si un tueur tue deux tueurs, et ben il y a quand même moins un tueur. Et c'est ce que je fais. Ah ouais, elle est pas mal sa caisse au Renoir. Toi, tu la laisses tranquille, là. What? Ah, il s'entraîne. Ah, ok. Ah oui, c'est parce que je suis noir, je pense qu'ils veulent pas que j'interfère. Guetteur. Les guetteurs sont des ennemis chargés d'appeler des renforts. Pour éviter que les renforts arrivent, neutraliser les guetteurs avant qu'ils n'atteignent le téléphone le plus proche. Casse-toi. Alors, il est où le guetteur? C'était lui? C'était sans doute lui. Ah non, ça doit être celui-là, là. Il est dans une couleur différente. Ouais, ça doit être lui. Ou alors, c'est parce qu'il est en haut qu'il est comme ça, je ne sais pas. C'est lequel, le méchant, là, dans tout ça? Putain, c'est bizarre. Oh mon dieu. Ils étaient plusieurs, hein. Amène-toi. T'es là, quelque part. Je le sais. Ok. On va faire le tour, on va nettoyer déjà tous ceux qui sont en bas. Ensuite on s'occupe de ceux qui sont en haut. Eux ils font rien, ils font juste la fête, entre guillemets. Là y'a rien à choper, non. Je pourrais passer par derrière en utilisant cette porte. Hop. Où est-il? Ah c'est lui là. Y'a un guetteur en haut. C'est là qu'un flingue silencieux pourrait être utile. Je les gère de ouf. Pardon, c'est moi, hein. C'est simple même. C'est quand même simple. On mettra peut-être le jeu en difficile. Salut. Oh mais... Habillez-vous.
Il n'y a pas de thune à choper. Non. Hey, salut petite chatte. Arrête de parler. L'idée d'un resto, qu'on aille manger un bout. Arrête de parler comme ça. Mais sois pas. Elle panique. Non, panique pas, va-t'en juste. Non. Ok, c'est bon. Ah, il avait un snipe. Attends, je vais juste le prendre. Donne-le-moi. Juste pour voir à quoi ça ressemble quand on regarde dans la lunette. RS pour accéder à la visée. Attends. Il y avait un truc dispo. C'est pour retenir son souffle. Nice. Note. Je vous l'ai dit. Veillez à ce que les filles soient camées comme il faut avant de les foutre sur le trottoir. Si elles sont clean, elles ne seront pas d'humeur salace. Doucet. Donc un mot direct du boss. Oh, une mallette de thune. 500$. J'ai 7000. Non, en fait, l'argent rentre vite. Hein. L'argent rentre vite. Ils ont que des caisses de merde, mais bon, on peut tester. Hein. Eh, un noir qui prend un véhicule avec un drapeau confédéré. Allez, on le fait. Juste pour l'ironie de la chose. Donc, du coup, where's my house? Ok. On va aller parler à lui. Non, on va aller à ma maison. Et on ira lui parler pour buter le chef dans le prochain épisode. Attention, madame. New Bordeaux. Attention toi. Voilà. Ouais, en fait si je pile pas tout, même enfin, quand je freine je peux tourner du coup. J'ai testé là. Il me semble qu'on pouvait rentrer par derrière. Ouais. C'est même plus rapide. Je vais avoir plus de 10 000 dollars sur mon compte. 10 918. Nice, nice, nice. J'espère qu'on aura l'option pour la reconstruire cette maison. La maison de notre enfance. Bon, on va se déplacer jusqu'à notre ami, puis on se laissera juste avant de lui parler. Voilà, je freine un peu et je peux tourner en même temps. Un groupe de musique de l'USO est tombé dans une embuscade du Viet Cong hier soir. Deux membres du groupe sont morts et deux autres ont été blessés. Le groupe tentait de rejoindre un village côtier près de Saigon avant la tombée de la nuit. Ah, cette musique, oh là là, magnifique. Attendez, on va voir. Ah, oh, c'est machin. Bon, et bien là, on va devoir buter le chef de ce quartier, enfin du nouveau quartier, pour qu'on puisse le reprendre, oui c'est français. Donc merci d'avoir regardé cet épisode 9, si je me trompe pas, et je vous dis à la prochaine. Salut.